Au début des années 2000, une étrange découverte fut réalisée au large de l'Écosse par une équipe scientifique explorant une zone appelée le domaine de la sorcière. Alors que ceux-ci étaient en pleine plongée, ils tombèrent sur une épave datant du XXe siècle. Seule particularité, celle-ci gisait au milieu d'un gigantesque cratère. Ce type de cratère sous-marin, c'est ce qu'on appelle un pockmark. Il s'agit d'une dépression sédimentaire créée par la libération d'énormes poches de gaz sous-marins. Les sols océaniques renferment en effet de larges réserves d'hydrocarbures et qui se retrouvent fréquemment piégées sous la forme de petites bulles ou de glace. Cela est notamment le cas du méthane, un gaz à effet de serre très puissant et qui, dans certaines conditions, peut finir par geler dans les profondeurs. Les scientifiques estiment alors que la quantité mondiale de gaz piégé dans ce genre de glace serait deux fois supérieure aux ressources connues de pétrole. Seul problème, ces gigantesques réservoirs se retrouvent fréquemment fissurés et laissent alors s'échapper directement dans l'eau de larges émanations de méthane. L'existence de ces fuites de gaz pose alors de nombreuses questions, notamment quant à leur impact sur le réchauffement de notre planète. Le méthane marin pourrait-il voyager des profondeurs jusqu'à l'atmosphère? Pourrait-il constituer un danger pour les générations à venir? Et si oui, comment le confirmer? Eh bien, pour tenter de répondre à ces questions, je vous propose aujourd'hui d'embarquer sur l'un des plus grands réservoirs de gaz sous-marin au monde, j'ai nommé la mer Noire. Nous voici arrivés en mer Noire. Je me trouve actuellement au large des côtes roumaines sur l'un des plus beaux bijoux de la flotte océanographique française, j'ai nommé le Pourquoi Pas. Mesurant près de 110 mètres de long et constitué de 8 ponts différents, ce formidable navire accueille près de 75 personnes, divisées entre l'équipage G-Navire, les opérateurs spécialisés dans le déploiement d'équipements, et les scientifiques, issus de plusieurs organismes de recherche, dont l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Alors que tous sont impatients de pouvoir débuter cette campagne océanographique, une réunion d'information présidée par Vincent Riboulot et Stéphanie Dupré, respectivement chef et co-chef de l'expédition Gaz 2, est sur le point d'être lancée au pont numéro 5. Celle-ci regroupe des corps scientifiques très diversifiés, comprenant par exemple des acousticiens, des géophysiciens, des microbiologistes ou encore des chimistes. Si chacun d'entre eux est présent sur le navire pour un objectif bien précis, tous partagent cependant la même mission. Mieux comprendre les impacts du méthane sur l'environnement marin tout en traquant sa présence des profondeurs jusqu'à la surface. Mais pour réussir à suivre les mouvements de notre gaz, les scientifiques de l'IFREMER ont premièrement besoin de connaître sa position. Il est en effet hors de question d'explorer la mer Noire à l'aveugle et d'espérer tomber par hasard sur quelques bulles. Mais comment faire? Comment réussir à voir ce qui se cache sous la surface tout en restant à bord du navire? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se rendre au sommet du Pourquoi Pas, afin de rejoindre une salle appelée le PC scientifique et qui est un petit peu le quartier général des chercheurs. C'est alors au milieu de tous ces écrans que Stéphanie Dupré, géophysicienne à IFREMER, supervise l'utilisation d'un outil formidable, le sondeur multifaisceau. Donc les sondeurs multifaisceaux sont des sonars qui peuvent être attachés à la coque des navires ou alors montés sur des engins sous-marins autonomes qui naviguent près du fond. Ils nous permettent en fait d'imager à la fois le fond de la mer, pour voir les variations de topographie finalement comme à terre, et ils nous renseignent aussi sur toutes les anomalies acoustiques qui sont dans la colonne d'eau, que ce soit des cibles biologiques ou alors dans notre cas, ce qui m'intéresse, c'est les bulles de gaz. L'imagerie acoustique de la colonne d'eau est vraiment cruciale dans nos phases exploratoires. On peut aller sur des sites et investiguer des zones sur lesquelles on a déjà plus ou moins soit des suspicions, soit des indices d'émanation fluide. Et ainsi, on peut avoir une cartographie qui correspond aux émanations de méthane, notamment en fond de mer, et qu'on traque avec cette donnée multifaisceau. Ces cartographies, je vais justement en voir une se créer sous mes yeux.
le pourquoi pas, arrivent actuellement sur une nouvelle zone et qui est sur le point d'être scannée. Celle-ci contient-elle des panaches de gaz? C'est ce que nous allons découvrir. Le sondeur multifaisceau est alors mis en marche par le personnel Genavir en espérant que les mesures ne soient pas perturbées par les vocalises de certains dauphins. Au bout de quelques minutes, les premières images commencent à nous parvenir. Celles-ci prennent la forme d'un disque bleu où les anomalies acoustiques apparaissent en jaune. En observant ces profils, il semble alors que le navire ait bel et bien survolé différents panaches de gaz et dont certains pourraient faire plusieurs centaines de mètres de haut. Aussitôt identifiées, ces émanations seront minutieusement analysées pour tenter d'en déduire le débit des panaches ou encore la nature des gaz libérés dans la mer. Cependant, ces réponses ne pourront être obtenues qu'en croisant cette méthode d'observation avec d'autres instruments. Le sondeur multifaisceau, lui seul, même si c'est un outil crucial, ne nous permet pas de déterminer la nature des fluides. Pour cela, on a besoin de passer au prélèvement, une fois qu'on a détecté ces sorties et identifié leur localisation en fond de mer. Et donc, on vient avec une autre panoplie d'instruments, par exemple les CTD, qui nous permettent de prélever in situ ces gaz. Et ainsi, on pourra déterminer si c'est du gaz et si ça correspond, par exemple, comme dans notre cas, à du méthane. Comme vient de nous l'expliquer Stéphanie, pour poursuivre notre quête du méthane, nous allons devoir nous intéresser à d'autres instruments. Pour ce faire, je quitte le sommet du navire afin de rejoindre une salle très importante située sur le pont numéro 3, le laboratoire humide. C'est une zone de traitement et de stockage des échantillons fraîchement sortis de l'eau, et où s'affairent de nombreux chercheurs. Une équipe se trouve notamment sous nos yeux pour préparer la mise à l'eau d'un instrument passionnant qu'ils appellent la Rosette CTD. Cette structure, mesurant près de 2 mètres de haut et pesant jusqu'à 400 kg, est en réalité d'une aide inestimable pour les scientifiques. Elle possède en effet la particularité d'embarquer avec elle une véritable armada de bouteilles pouvant s'ouvrir sur commande. Actionnées par les scientifiques à des profondeurs bien précises, celles-ci peuvent alors récolter de précieux échantillons d'eau afin de détecter la présence de méthane. Mais pour que tout fonctionne, il faut premièrement s'assurer que les bouteilles soient bien en état de marche. Après quelques rinçages et diverses inspections, les vérifications de la Rosette CTD semblent enfin être concluantes. Celle-ci est alors prête à effectuer sa première plongée, programmée le soir même à 21h précise. Plusieurs centaines de mètres de câbles sont déroulés pour permettre à la Rosette CTD d'atteindre les profondeurs désirées. Ce soir, la structure est à près de 750 mètres de fond, soit 2,5 fois la taille de la Tour Eiffel. Afin de superviser le bon suivi des mesures, les chercheurs se positionnent dans une salle de contrôle parsemée de différents moniteurs. Mais tout à coup, une situation inattendue fait son apparition. Un gigantesque panache de gaz vient d'être détecté sur le trajet du navire. Celui-ci n'avait vraisemblablement pas encore été découvert et représente donc une opportunité inespérée de réaliser de nouvelles mesures. Face à cet imprévu, les scientifiques doivent alors s'adapter à la dernière minute et changer leur programme. C'est alors avec un heureux retard que la Rosette CTD est finalement remontée sur le navire avec à son bord de précieux échantillons d'eau. Ceux-ci contiennent-ils du méthane? Difficile de vous répondre pour l'instant. Ils feront l'objet de nombreuses analyses au cours des prochaines années et pourront peut-être révéler la présence de gaz sous-marins, tout comme celle de formes de vie encore jamais vues par l'être humain. C'est alors la tête pleine d'espoir et de détermination que les scientifiques finissent leur travail avant d'être relayés par une autre équipe
pour que leur nuit puisse enfin commencer. Ce matin, le navire se prépare à réaliser une nouvelle opération, récolter des carottes. Alors, rien à voir avec un quelconque légume. Ici, nous parlons de faire descendre une gigantesque paille métallique jusqu'au fond de la mer, afin de récolter une colonne de sédiments. Ce prélèvement est alors appelé une carotte et permet d'aller capturer notre méthane directement sur le fond, qu'il soit sous la forme de bulles ou de glace. Toutefois, la réussite de cette manœuvre n'est pas gagnée d'avance, car lors de chaque prélèvement, différentes informations comme la profondeur d'arrivée, le poids de la structure ou encore la nature du sol exploré sont autant de paramètres à prendre en compte pour éviter les accidents. En cas de problème ou de mauvais calcul, il est en effet possible que la carotte ne récolte pas bien les sols étudiés, que celle-ci reste coincée sur le fond ou encore qu'elle se torde, voire se brise, à son contact. Un carottage est donc tout sauf une balade de santé. Cette opération requiert une formidable vigilance de la part de l'équipage, ainsi qu'une rigueur à toute épreuve du côté des chercheurs. Une fois le prélèvement effectué et le tube remonté sur le navire, il doit alors minutieusement être ouvert par l'équipage. Pourquoi cela ? Tout simplement car si notre échantillon de sol contient bien du gaz, celui-ci a pu se dilater lors de sa remontée vers la surface. Dans ces conditions, l'ogive de la carotte peut parfois finir par s'envoler à son ouverture, telle une bouteille de champagne. Par la suite, les scientifiques pourront alors découper la colonne de sédiments, puis commencer à réaliser différentes mesures. Il sera alors possible de découvrir à quoi ressemblent les premiers mètres de sédiments sous la mer Noire, à savoir une glaise grisâtre, et qui pourrait renfermer des traces de gaz sous-marin. Cependant, pour le confirmer, il faudra attendre la production de nombreuses études qui seront notamment réalisées en ramenant nos morceaux de carottes à terre grâce à l'utilisation d'une chambre froide. Sondeur multifaisceau, rosette CTD, carottage, voici donc autant d'outils utilisés par les scientifiques pour suivre les traces du méthane en mer Noire. Toutefois, il existe un dernier moyen d'approcher nos émanations de gaz, et pour ce faire, nous allons avoir besoin de l'aide d'un véritable monument historique, le Nautile. Mis en service en 1984, le Nautile est un sous-marin habité, figure emblématique de la flotte océanographique française. Mesurant près de 8 mètres de long pour un poids de 19 tonnes, celui-ci a permis de grandement développer l'exploration des fonds océaniques en réalisant plus de 2000 plongées à travers la planète, et dont certaines ont pu atteindre les 6 km de profondeur. Parmi ces hauts faits, on compte notamment la découverte de sources hydrothermales, mais aussi l'exploration de l'épave du Titanic à la fin des années 90. Et aujourd'hui, ce morceau d'histoire va une nouvelle fois plonger afin de partir à la poursuite de nos panaches de méthane.
pour ma part, je n'ai pas eu la chance de plonger à bord du Nautile, il est cependant possible de suivre sa trace à bord du Pourquoi Pas. Ce suivi est réalisé au sein du PC scientifique, qui comprend un poste entièrement dédié à la communication avec le sous-marin. Toutes les 30 minutes, celui-ci informe alors l'équipage de l'avancée de l'exploration océanique et peut confirmer que tout va bien sous la surface. Nous voici actuellement à près de 120 mètres de fond. Les profondeurs de la mer Noire apparaissent d'ores et déjà tout aussi lugubres qu'excitantes à explorer. Tout à coup, le Nautile fait une rencontre pour le moins inattendue, un gigantesque banc de petits poissons. Si leur présence offre un magnifique spectacle à observer, elle peut malheureusement aussi finir par causer certains problèmes. Car en raison de leur nombre, ces animaux peuvent obstruer la visibilité du sous-marin. Pour trouver nos bulles de gaz, il est donc impératif de réussir à les semer avant de s'enfoncer encore plus profondément. Alors que l'exploration continue, le Nautile tombe nez à nez face à de gigantesques champs de pierre aux formes plus étranges les unes que les autres. Ces concrétions minérales sont appelées des carbonates et poussent en réalité comme des champignons grâce à différents microbes qui consomment des gaz sous-marins. Leur présence est alors un bon signe pour réussir à dénicher nos panaches de méthane. Et justement, c'est à près de 800 mètres de fond que les scientifiques trouvent enfin ce qu'ils sont venus chercher. Voici donc à quoi ressemblent nos panaches de gaz, de magnifiques chapelets de bulles visibles sur les caméras et que les chercheurs s'empressent de récolter. Pourquoi faire, me diriez-vous ? Eh bien car ce gaz peut avoir plusieurs origines. Pour faire la lumière sur sa provenance, il est donc impératif d'en prélever une partie et de l'analyser en laboratoire. Une fois cette tâche réalisée, il est alors l'heure pour le Nautile de finir son exploration. Juste le temps de récolter quelques concrétions minérales sur le chemin, et celui-ci se dirige vers un ascenseur mis à la disposition par le Pourquoi Pas. Celui-ci permettra au sous-marin de décharger ses échantillons avant qu'ils ne partent rejoindre la surface. Grâce au Nautile, nous avons donc pu enfin voir de nos propres yeux à quoi ressemblent ces panaches de méthane. Et si notre aventure nous a appris une chose, c'est que la mer Noire est bel et bien le théâtre d'importantes fuites de gaz. Leur présence pourrait-elle alors constituer une véritable bombe climatique ? Eh bien malheureusement, il est encore difficile de vous répondre pour l'instant. Le voyage du méthane dans l'océan est en effet une odyssée complexe et qui peut finir par être stoppée ou relancée à différentes occasions entre le sol et la surface de l'eau. L'ensemble des outils scientifiques que nous avons passés en revue lors de ce documentaire ne permettent actuellement que d'obtenir les premières pièces d'un puzzle qui finira peut-être un jour par nous donner plus de réponses sur la destination finale du méthane. Toutefois, quelques indices sont déjà présents sous nos yeux. Durant son voyage, le Pourquoi Pas a par exemple détecté des concentrations inhabituelles de méthane dans l'air, grâce à différents capteurs placés à l'avant du navire. Pourrait-elle provenir des profondeurs de la mer Noire ? Eh bien, c'est une possibilité. Il faudra cependant attendre encore de nombreuses années de recherche pour le confirmer.
D'ici là, il n'y a plus qu'à espérer que nous ferons le maximum de notre côté pour ralentir le changement climatique et que la mer Noire ne finisse pas un jour par nous rendre la tâche encore plus difficile. Alors c'est sûr, dit comme ça, c'est un petit peu frustrant de se quitter sur un « peut-être ». Mais c'est aussi ça la recherche, des questions qui ont besoin de temps pour trouver des réponses, et des vulgarisateurs qui doivent aussi parfois sensibiliser sur le fonctionnement de la production de connaissances sans toujours tomber dans le sensationnalisme. La question de l'impact des émanations de méthane sur le réchauffement climatique est évidemment très complexe, et ne saurait par exemple être réduite uniquement qu'aux gaz provenant de la mer Noire. Afin d'y répondre, il faudrait prendre le problème de manière globale et sortir du spectre de l'océan seul, ce qui serait évidemment pour moi un énorme sacrilège. En bref, si ce documentaire vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à soutenir mon travail sur Utip, les liens sont en description. Encore un très grand merci à l'Ifremer, Genavir et la flotte océanographique française pour m'avoir invité sur cette expédition scientifique, et à Théo, Vincent et Stéphanie, sans qui ce documentaire n'aurait pu voir le jour. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et si vous avez des questions sur l'expédition, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous. Sur ce, ciao !